Et les gars, ça va être simple, hein. Ça va être simple. Ma cible, ça va soit être vous, et vu que vous êtes déjà rouge sang, je crois qu'on va continuer dans cette lancée, ou soit vous me balancez les mecs qui vous ont payé. Parce que moi, ça va pas rester impuni, les mecs. Bah écoute, si t'as de l'argent à mettre sur la table, on peut négocier. Attends. Je crois que t'as mal compris. Je crois que t'as mal compris, Roy. T'as vraiment mal compris, on mec. Veut t'éviter des problèmes. Ah ouais, les mecs. Le grand gagnant du Squid Game. 300 000 $, c'est pour qui? C'est pour moi, Roy. Et ça, ça fait plaisir. Bon, on va se payer un petit custom, du coup. Tu sais, j'ai une moto que j'ai pas encore custom. C'était celle-là, la Vindicator. Je sais même pas si elle est bien. Le seul truc que j'ai vu, c'est que c'était une deux places. Pour l'apparition. Si tu t'offres bien. L'apparition une non, c'est pas un custom. Passes, normalement. Custom, ok. Ouais, s'il te plaît, ouais. Salut les mecs, ça va? Oh putain. Salut mec. Allez. Oh, ça va? Tu veux que je te relève, mec? Oh, tiens, vas-y, tiens, attrape mon bras. Oh, merci, Roy, c'est gentil. Tranquille, tranquille. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis en manque de magnésium, c'est pour ça. Ça veut dire que t'es hyperactif un peu. Bah, ça veut dire, ouais, je suis surtout fatigué quoi. On a du café en nous justement, comme proposé. Ah, c'est vrai. Vous avez du café? Ouais, on a du café. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vas-y, donne un petit café s'il te plaît. Bah, merci pour chercher. Avec 4 sucres, parce que je suis marocain, regarde, peu de miel aussi. Ça va toi? Ouais, ça va. Pas trop fatigué? Ah, si, je passe la soirée à faire des recrutements. Oh, ça va, tranquille. Y'a des meufs ou pas? Aucune. Oh merde, c'est pour ça que t'es fatigué. C'est ça. Là, j'ai recruté 4 sucres avec un peu de miel aussi. Oh, comment tu gères? Oh, c'est ça super. Ça fait plaisir. Ça fait combien? Ouais, c'est gratuit, non? Ouais, ouais. C'est offert par la maison. Wallah, je l'ai vécu sec, rien à foutre. Ah, merci les mecs. Bon, vas-y, on va travailler un petit peu avec. Roya, attends. Ouais. Fais voir tes yeux, toi. C'est les yeux de miel. Wallah, j'ai cru que t'avais eu des fards à paupières. Wallah, c'est grave. Mais t'as mis des fards à paupières? Non. Mais les mecs, on est d'accord, il a mis du fard à paupières? Ouh, c'est quoi ça, du fard à paupières? Il a mis du fard à paupières? C'est quoi ça, fard à paupières? J'ai rien mis du fard à paupières. Ce que tu fais le soir, ça nous regarde pas, Roya, mais juste assume, quoi, c'est pas grave. Non, par contre, j'avoue, t'as mis du rose sur les paupières. Voilà. C'est ma tête. Jure pas. Ouais, c'est pas grave, Ouais, c'est qui? Ça va quoi? C'est Djibril. Oh, ça va quoi, Roya? Alhamdoulilah, que tu veux? Toujours le pantalon qatta, putain de merde. Toujours le mérite. Tu t'as pas avec des chats ou quoi? Bonnet, c'est quoi que j'ai? Alors, Roya. Bah, c'est un bonnet, Roya. Je recherchais pas une police, Roya. J'ai sur le dos la DEA, le FBI, Roya et la CIA. Ouais, t'as toutes les lettres de l'alphabet. Même le CDI, Roya. Mais c'est plus le CDD. Allô? C'est qui? C'est pas bien. Hein? Tu veux bien, ça va ou quoi? Non, je savais pas, je suis de la prison. Bon, t'es parti. Oh merde, c'est vrai, la prison. Mais t'es bien, je viens de chercher, Roya, je suis au Belize. Merci beaucoup, Mathieu. Vas-y. Bisous. Wouah! Subhanallah! Ouais, mon pote. T'inquiète pas, on est là, Roya. Mais t'es vraiment Hamid! Uber moto, Roya. Ça va quoi? Eh, Roya, je dis, t'es vraiment Hamid. Ça se voit, la fatigue, elle est présente. Ouais, la fatigue, elle est grave présente. Ouh, let's go, Mathieu! Ça va quoi? Voilà! Ça va, alors, comment c'est passé? De quoi? Bah, le Heps. C'était vraiment génial. Eh, Roya, faut que je te raconte un truc. Oui? Je me suis réveillé ce matin, Roya. Mathieu? T'inquiète, non, mais c'est la base. Je me suis réveillé ce matin, Roya. D'accord. J'ai checké mon compte en banque. Ouais. 300 000 $, Roya. Comment ça? À mon avis, Pablito Janez, il est toujours vivant, Roya. Oh. Bah, c'est marqué anonyme. Anonyme, Skid. Skid. S-K-I-D. Skid. Ah oui, Skid, ça veut dire. Skid. C'est comme ton oncle, c'est la vraie version de Pablito. Du coup, bah, vu que j'avais des dettes à payer, bah, je me suis acheté une moto avec le 300 000 $. Non. Ah bah oui, Roya. Bah, moi, je suis un mec avec des principes, Roya, avec des valeurs. Hein. Donc là, y'a plus rien. Ah bah là y'a plus grand chose, Roya. Là en plus je sors du Belize. Là y'a plus grand chose, Roya. Doucement. Oh, allez, on va mourir, Roya. Franchement, rien à foutre. Hop là, je rigole, t'inquiète. Ah, voilà. Inch'Allah, on meurt pas. Inch'Allah, on meurt pas, Roya. T'as vu, Inch'Allah, ça, c'est une carte magique, Roya. Alors, Hamid, il est sorti des Heps ou pas? Hamid, je l'ai même pas vu. Bah, tu peux l'appeler ou pas? Vas-y, t'appelles. Vas-y, Roya. Appelle Walls. J'appelle Walls, portable. Casse les couilles. T'as vu, c'est beau. Roya, ça sonne. Et toi, t'as une maison, toi, Roya, ou pas? J'ai une maison? Où est-ce que t'as une maison? Oui, Hamid! Ça va, Hamid? Ça va, et toi, Tobias? Oui, alhamdoulilah, Hamid, j'ai un RP! Son sont-elles? Ouais, ça va RP. Non, Hamid! Non, RP, là! Là, on est en RP, là, déjà. Là, on est en RP, là, Hamid! Là, je te parle d'RP, Hamid, là, c'est ton bien. Mais Roya, c'est le poteau, il est tombé tout seul! Viens, va à l'hôpital, Roya. Vas-y. Eh, Roya, franchement, le jour où il y a Hamid qui sera à l'heure, Roya, c'est sûr, Roya, il va commencer à neiger, Roya. Oh! Roya, le jour où il sera à l'heure, il va commencer. Oh non! Ne me dis pas qu'il en. Mais arrête, c'est grave! Voilà, c'est grave! Non, mais. Ouais, c'est grave, Roya, moi, attends, mais c'est n'importe quoi cette histoire! Je pense que c'est raccourci, sinon!
Oui, ouais, vas-y, vas-y, oui. Oh, 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 Mathieu. Oh, oui. Oh, pas mal. Pas mal. Attends, mais je teste la dérange. Pour ça, tu testes la dérange. T'as cru que t'étais un Playmobil, Royal ou quoi? Royal, Adermal. Il faut que tu mettes un pamplemousse sous mon épaule droite. Je t'ai cru Royal, je travaillais au sort, Royal ou quoi là? Comment ça, un pamplemousse? Je vais te mettre un steak, Royal, dans ta gueule. Royal, je vois la lumière qui arrive. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Tu veux de l'ananas? Ouh, ça va mieux. Ah, c'est bon, ils sont là. Ils sont là, ils sont juste là. Merci, monsieur, d'être venu. Merci. Ah, ça a un peu vu, t'as pitié. Mais vous venez pas de le piétiner? Non, non, c'était pour le réanimer, il était en train de perdre connaissance. Moi, madame, j'aurais besoin de quelques sens, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, racontez-moi, Bah, on a percuté un poteau déjà. Oui. Attendez, je vais juste ouvrir ma porte. Venez enlever votre pantalon, mais personne ne voit votre. Ah, c'est gentil. Mais je vous reconnais, c'est la Canadienne, non? C'est pas l'accident, là. Ah ouais, c'est quoi ton prénom, déjà? Non, ça va. Je m'appelle Sophie, et vous? Gentil, moi, c'est Mathieu. Tu? Mathieu, ouais. Mathieu Canadien. Ah, Mathieu, comme Mathieu en anglais, genre? Mathieu? Ouais, c'est ça. Ouais, Mathieu, oh, génial. Comme l'acteur Mathieu McConaughey. Comme l'apôtre. Il y a quoi? Ah, l'apôtre! L'apôtre de Jésus, Mathieu. J'avais compris la poutre, c'est pour ça que j'avais pas compris la blague. Ben, l'apôtre, Mathieu. Oui, est-ce que vous avez deux T ou un T? Non, oh, j'avais compris la poutre, comme dans le bâtiment. Et est-ce que si on vous dit fils des flics ou tabarnak, c'est quoi le plus insultant? Tabarnak. Calice des tabarnak, ça c'est pire ça. Oh là là. Calice des police, tabarnak. Merci. Hé Mathieu? Oui, c'est moi. Imaginons que t'as un pote, il est en galère de fou. Ouais. Est-ce que tu le. Est-ce que je lui laisse des billets? Wesh, toi, t'as des questions bizarres, Royan. Comment ça? Tu trouves que je suis un lézard, Royan, ou quoi? C'est un malade. Vas-y, descends. Va derrière. Pardon, Royan, pardon. Mais il est malade, lui. Là, il a cru que j'étais une salamandre, Royan. C'est quoi ça? C'est malade, toi, je te jure. Yalla, Royan, je te laisse faire le coucou amical, Royan, pour dire qu'on est ouvert. Lâche-toi, Royan, lâche-toi. Je me lâche de fou? Ah, bah, bien sûr, Royan, ils ont saccagé notre restaurant, Royan. Faut leur comprendre qu'on est encore debout, quoi. Okay, regarde-moi, c'est moi qui suis ton roi. On a un client, je crois que je vais le baiser. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, messieurs. Voilà. Comment allez-vous? Écoutez, ça va, vous m'avez manqué, hein, franchement. Ben vous dites qui? Manqué le Burger Shot. Ah ben oui, ils ont saccagé notre restaurant. En général, on a attrapé quelques-uns, vous inquiétez pas. Mais c'est qui? Au LSPD. Bah, je vais pas dire non plus. Attends, vous travaillez au LSPD? On en a attrapé. Ouais. Non, il faut absolument que je chasse qui a fait ça, monsieur. Parce que là, j'en ai marre, franchement. Là, j'ai envie de porter plainte. Ils sont tous partis en moto et vous savez pourquoi ils vous ont fait ça ou pas du tout? Mais non, mais regardez, en fait, on a porté plainte et un des hauts gradés, il a dit, bah, si vous portez plainte, bah, ok, on vous divulguera les informations des individus. On a porté plainte, on n'a pas eu les informations. Du coup, si vous pouvez nous dire. Ah, c'est bon, le message a été publié. Je m'occupe un peu de la com. Dis, parce que je sais ce qu'ils sont japonais, moi, je peux plus d'informations, vous savez, je suis personne, hein. David, Tobias. Attends, je vais avec monsieur dans mon bureau. Venez, monsieur, dans mon bureau, venez. Venez, monsieur, dans le bureau. Ah, vous avez un bureau non, et tout. Non, ah, vous travaillez ici aussi, monsieur Well. Je sers lui. Ouais, bah, le monsieur là-bas, là. Bonsoir, monsieur le vieux. Peur, il a pris ma colocataire en otage avec une AK la dernière fois. Ah ouais, merde, quand même. Et vous avez quel matricule? 96. Mais c'est bien? C'est gradé ou pas? Ah non, bah matricule, non. Moi, je suis personne. Moi, je suis simple officier. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais du coup, en fait, ces bâtards, ils ont saccagé mon restaurant et on a dû fermer pendant plus de 24 heures. C'était vraiment la merde. Bon, avant qu'on hagar à tout bout de champ, venez au Burger Shot. Bon, tes fils des putes. C'est pour ça que je suis venu, il m'a mis un coup de pression. Ouais. Je me suis dit, je vais prendre deux menus. Ça, c'est mon employé modèle. Mais du coup, alors, monsieur, est-ce que vous avez un nom à me divulguer? C'est quoi? C'est une famille? Qu'est-ce qu'ils ont? Ce que je sais, c'est des jeunes japonais qui aiment bien les motos rouges. À part ça, je peux pas vous dire grand-chose. Ils ont un nom ou pas ces japonais? Ils ont des vestes, il y a un truc écrit sur leur veste. Ah ouais, mais ça m'aide pas plus que ça quoi. C'est comment... Ouais, bah après, Anakoni, tout ça là. Anakoni. Tobias? Oui? Tu connais des japonais qui s'appellent Anakoni? Des japonais qui s'appellent Anakoni? Oui, parce que le monsieur qui est avec moi là, c'est un mec de LSPD, il m'a dit qu'il en a arrêté quelques-uns lorsqu'ils ont saccagé mon restaurant, regarde. Alors là, ouais, je connais pas du tout. Il m'a dit on ira voir les Chinois, alors demande est-ce qu'il y a des anaconis chez vous. Yab, c'est travail là? Je travaille là, mais j'ai plus travaillé là. Ah, dis-moi. Je vais te rembaucher en tant que responsable aux Bahamas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? T'as pas aimé l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, juste Bahamas appartenait à la famille, et du coup, vu qu'on l'a revendu, il est en chute, il a rien. Ouais, je vois. Il fonctionne pas, du coup, je vais essayer de le remonter en responsable. Ouais, toi, t'es un brave gars, toi, je te mets. Une petite tape sur l'épaule ou sur la joue, je sais pas, tu fais ce que tu veux, t'es un bon gars, franchement, ça fait plaisir. Dis-moi, Yams, okay. T'es dispo ce soir pour le rendez-vous secret confidentiel plus?
Ouais, ouais, mon frère. Eh ben, t'es dispensé. C'est ton pote, lui ? Ouais, ouais, c'est Tobias, c'est un employé, c'est mon pote. Ça va ? Ça va, toi ? C'est un pote à Hamid aussi, t'inquiète. Ok, carré. Alors, du coup, on a rendez-vous à quelle heure et où ? T'avoue que là, je sais pas, mais boy, il va partir en flicasse, tu vois, on peut faire le rendez-vous à te... pas beaucoup, tu vois, un peu. Ouais, ouais, ouais. Mon boss, je sais pas, il vient à quelle heure. Bah, tiens-moi au mais coup, toi, exactement, tu veux quoi, mon bon frère ? Attends, je vais faire du pain. Croyez, je t'ai dit exactement, moi, je veux des gros trucs. Soit un fusil d'assaut, type AK, comme tu m'avais dit, ou AKU. Mm-hmm. Soit une Gutenberg, ou je sais pas quoi. Alors, et tu t'en prends une seule, hein, pas plusieurs. La sauce du chef. Ça dépend, croyez, tu sais, moi, j'ai l'argent, croyez. Ok, ok, ok. Après, tu me donneras les tarifs, quoi. Ouais, ouais, je passerai tout ça. Et... vas-y. Ok, ok. Vous avez des grenades ? Non, non, malheureusement, non. Ok, ok. Non, RPG peut-être ? Pas d'RPG ? Non, non plus. Pas d'RPG. Oh, ouais. Si tu veux, j'ai un hélicoptère à te lance missiles. T'es sérieux ? Vas-y. Oh, regarde ce qu'il va. Oh putain. Tu prépares pour toi, Roya ? Tu manges ? Quoi ? Je fais la cuisson de flé ? Moussa, elles sont là ? Vas-y, Roya, ça marche. Bah, vas-y, Yams, on s'y est en courant alors pour se faire un charabat. Carrément, mon frère. Vas-y, on est là. T'appelles et. Ouais, on fait comme ça où tu m'envoies un message et tout. Vas-y, t'inquiète. Tu fais ça ? Oui, Roya ! T'as pas ta tenue, Roya, du Burger Shot ? Non, Roya, t'inquiète. Ah oui, faut que je la mette, merde. Là, je suis là, moi. Why not? Allô, c'est bien Monsieur Mathieu. Ah oui, c'est qui? Monsieur Camastra, propriétaire du Crucial Fix. Oui, bonjour Monsieur Camastra. Bien, oh, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bien, bien. Le patron vient de me dire que vous l'avez appelé à l'instant. Et ça me fait penser, vu que vous êtes le patron du Burger Shot, comment dire? Je sais pas si vous êtes au courant des courses que nous allons organiser, des courses automobiles. Non, pas du tout, non. On m'a dit qu'il y avait des courses, mais sans précision, quoi. Bah, pour la faire courte, il y aura des courses hebdomadaires tous les samedis, soir. Ouais. Et les gens auront possibilité de parier sur les coureurs. Ah, d'accord, stylé, ça. Je pense que nous serons, malheureusement ou heureusement, ça c'est, vous le prenez comme vous voulez, pas en capacité de nourrir toute la foule avec notre camion. Bah, heureusement, alors. C'est pour ça que bah, je vous mets au courant. D'accord. On aura sûrement besoin également d'un camion Burger Shot okay. Sur les courses. Ouais, avec plaisir. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est que, genre, la veille du truc, vous me dites à peu près combien de personnes seront présentes, et comme ça, on pourra viser en amont, quoi. Ouais, pas de problème. Fait comme ça. Et d'ailleurs, si le Burger Shot veut ouvrir son écurie, il n'y a aucun problème. Il nous reste deux emplacements. Ah ouais, c'est stylé ça, d'accord. Et on paye combien pour les emplacements ? C'est 3 000 $. La soirée ? Non, pour la saison. 6 courses. Pour la saison. 6 courses. D'accord, ouais. Donc 6 semaines quoi. Exactement. Tout est inscrit sur le site si vous avez besoin de plus d'informations. Okay. Je vous laisserai aller voir les tendances quickly. Ouais, ça marche. Bon, on fait comme ça. Je vais interroger ma responsable et puis on fera ça quoi. Y'a pas de problème, bonne soirée. Merci, c'est quoi votre nom déjà ? Tom Camastra. Tom Camastra, super, j'enregistre votre numéro, Tom. Pas de problème, au revoir. Au revoir. Ils veulent faire copain là, qu'est-ce qui se passe d'un coup là ? À mon avis, toutes les pistes mènent vers les Japonais, croyant. Et là, c'est carrément un flic, croyant, qui m'a dit ils ont arrêté des jeunes Japonais sur des motos rouges avec des cuirs où c'est marqué Anoki dessus, croyant. Il n'y en a pas 10 milliards en ville, croyant. Ok, bah c'est eux. Bien, on va aller les voir. Oh, ils sont là en plus là, c'est rafraîchi. Ils sont là derrière là. Ah, j'ai pas vu. Ah, t'es ma wesh. Ils passent leur vie à être comme des plots. Regarde, on irait des bateaux. Viens nous chercher, Lily. Nous aussi. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir. Bonsoir. Un peu occupé. Ouais, on est venu vous voir il y a 2 jours à peu près. Comment allez-vous ? Un peu occupé ? C'était suite au saccagement de notre restaurant. On avait des suspicions sur vous. Et ouais. En fait, on avait convenu d'un rendez-vous avec un individu de votre groupe qui a sorti des bottes de baseball alors que nous, on avait juste sorti nos langues. Et on devait convenir d'un rendez-vous et c'était prévu pour aujourd'hui, normalement, pour ce soir. Ouais, bah écoute, tu peux repasser d'ici une heure. Une heure ? Une ouais. Ah ouais, je repasse ici même ? Eh, tu sais quoi, donne-moi ton numéro, je te fais signe, d'accord ? Vas-y, on fait comme ça. Anaki Oni. Ah ouais. T'as vu, c'est ça, hein ? Ouais, je crois que c'est bien ça. Hein. Anaki Oni. C'est bien ce qu'on m'a dit. Ok, bon. Super. Bah, tout à l'heure, alors. Bah, nickel, merci, au revoir. Mais Roya, c'est eux, hein. C'est eux, Roya. C'est eux, Roya. Veste moto rouge. Ils se sont fait attraper la police, ils ont dit que c'était des Anaki Oni. Bah oui, c'est ça, Roya. Des jeunes japonais sur des motos rouges avec des cuirs Anaki Oni, c'est eux, Roya. C'est bon à toutes les preuves. Bah c'est bon, Roya, ce soir, RPG, on éclate tout le monde. Voilà. Roya, si c'est eux, moi j'ai une idée, Roya. Ouais, c'est si quoi ton idée? Bah tu vois, eux, ils m'ont baisé mon restaurant. Moi je vais leur baiser leur moto, Roya. Oh. Oh, Roya. Ouais, Roya. Eh, bidon est fond, gana quoi, dit? Bah oui, Roya. T'as un bidon? Il est où ton fils? Il est où ton fils, Roya? Il est dans le cercueil. Oh non. Sérieux? Il est dans le cercueil, ouais. Attends, mais Hamid, il est où là? Pour qu'il nous donne les armes, il est où? Hamid, je sais pas où il est, voilà.
Oh là là, mais nous on a pas d'armes, nous croyons. Mais si, on peut aller au collège, t'inquiète, j'ai les clés. T'es sûr? Bon, on va aller vérifier si peut-être il faut gagner la croquer. Tiens, mon GPS. Oh ah non, regarde, skin. Oh non. Monsieur, c'est pour Octobre Monsieur, vous Rose. Vous courez pour Octobre Rose pour la lutte non, contre le cancer du sein. Non, du tout, je cours pour aller travailler là. Tu vas où? À Postop. Oh, incroyable, mais viens, on te dépose, wesh. Viens, lève les mains, on va te déposer. Ah, merci, merde. Ah, bah non, bah ouais. Ah, bah là, faut s'inquiéter là. Ouais, faut s'inquiéter. Ouais, inquiète. Ouais, bah, bonne course, hein. Vas-y, Roya, force à toi. Force. Merci, merci. T'as pas de véhicule, Roya? Non, mais je vous explique. T'inquiète, Roya, vas-y, force. Ok, vas-y, force. Voilà, le mec, il raconte sa vie, Roya. Tranquille, wesh. Wesh, il abuse. Skid, non, mais en fait, je vous raconte quand même. Oh non, c'est mort. Skid. Roya, Père Castor raconte des histoires, ça va 10 minutes. Hein. Je sens que le karma va être fort, Roya. Hop, attention. Ouh, ouais, c'est bon. Où ça passe? Où ça passe? Ouh, c'est frisky là. Attention, ouais. Attention. Hop. J'ai la tête dure. Ouais, t'as glissé tout là-bas. Ouais, j'ai la tête dure, t'inquiète pas, Roya. J'ai la tête dure, tout se passe bien. Oh, yes. Quoi? Tu veux ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il y a? Fonga la Kwaki! Oh! Ok, je prends des balles, Fonga la Kwaki. Toi, tu verseras de l'huile et moi, j'allume le feu. Hey, ça va ou quoi? Hamdoulaye, toi? Ah! Vous ça êtes pas radio? Mais les gars, vous dormez dans un entrepôt, les mecs? Ouais! Bah non, je dors chez toi maintenant! Ah! Bah ça va alors! Oui! Ah bah Roya! Hamid, il a dit ouais! Ah, moi, je dors encore ici! Bah ouais, mais ça va en vrai! Roya, je suis un rat, tu crois, je vais pas dormir chez toi? Mais tu fais comment pour les meufs quand tu les ramènes? Tu dis, attends, 2 minutes, je bouge juste la caisse de munitions là, 2 minutes, attends! Je les ramène pas ici, je loue le haut du casino! T'as un hôtel au casino? T'as jamais vu? Mais non! Oh là 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 là! Mais dis où? Mais voilà, vas-y, va au casino en balle là, je vais te montrer! Vas-y! Mais j'étais pas au courant, moi, je croyais qu'il y avait un hôtel dans le casino, Roya. Suite de luxe, tout ça, mon pote. Vas-y, appelle une meuf, on fait une simulation, appelle une meuf. J'appelle une meuf, vas-y, ouais, ok. Pour voir si vraiment elles aiment bien les trucs comme ça. Patron, bas, mamas et broker, je peux... Hop là, 3-6. C'était calculé, Roya, l'heure et demie, ça va rien. Moins 6 vitres, nice. Ah, c'est bon, j'ai un... Quelle heure date? Ok, j'ai un date. Vas-y, ça tombe, voilà. Vas-y. 70-73-24. Je te dérange ou je te redérange pas, là? Non, là, je suis Burger Shot. Au Burger Shot? Ah, tu travailles, ouais. Là, au Burger Shot? Elle parle comme un homme. Eh, j'ai gagné 20 000. Ça voilà. Et pour notre date, du coup? Bah, tu veux faire ça quand? Bah, si t'es dispo d'ici 10 minutes. Ouais, bah, je travaille, mais vas-y, tu vois, je fais une pause vite fait. Hein. J'ai gagné 20 000, de toute façon, au pire. Ouais. Ok, bah écoute, mets-toi fraîche de chez fraîche. Ah ouais? C'est bon? Je passe te chercher dans 10 minutes. Ouais, vas-y, carré. Okay, bah c'est carré alors. A tout de suite! Enfin, c'est qui, c'est frère? On dirait un mec. Bah c'est une employée du Burger Shot. Bah ouais, mais d'accord, mais c'est un mec, elle s'appelle comment? Tony. Hein? Tony! Eddie, on l'appelle. Hein? Tony! Tony Longuille? Tony, tu sais même pas c'est qui tes employés? Bah bien sûr que non, mais j'en ai tellement, frère, bien sûr que non, je les connais pas tous, encore heureux. Ah bah. Bah ok. Ça c'est hoche, Tony, mon frère. Vas-y, non, après. Non, parce que après. Je lui ai dit, mais tout droit, rentre dans le parking. Dans le parking, ouais, vas-y, parking. Celui-là? Ouais, celui-là, ouais, c'est celui-là. Mais non. Mais non. Oh la vache. Eh, mon pote. Garde-toi à droite. Voilà, garde-toi en face, là. Oh. On va au niveau de l'ascenseur, là-bas. Tu vois, là-bas, c'est là-bas. Pour rentrer au casino. Ouais. Et là-bas, c'est l'hôtel. Mais dis-moi, il y a un hôtel. Bah wow. Ouais, mais non, mais c'est incroyable, wesh. Mais c'est trop bien. Restrooms. Welcome in the penthouse. Oh, penthouse. Ah ouais, le bordel, par contre. Ouais, range un peu, Roya. Ouais, oh, c'est fort. Le ouais, coco-cho-cho. Non, désolé, c'est pas... Ouais, c'est plus une switch. Range un peu, Roya. Hamid, t'es ça, champagne dans la poubelle? Ah, laisse tomber, c'était... Laisse tomber, ça, oh, c'est... Le gaspillage. Laisse oh, tomber. Le gaspillage. Ça, Roya, ça se voit, Roya. Après le Fjal, un bon truc de champagne, Roya, au calme. 6h10, bah, voilà. Et du coup, je les ramène ici, les meufs. Ici, dans les toilettes même. Dans les toilettes. Ah, non. Mais vraiment crine. Mais je l'ai ramené ici, quoi. Ici, c'est là. T'es mal à la salle de ciné. T'es mal à la quicheta. Ah, ça, bah. T'es mal à la quicheta. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Ici, c'est ma place, ok. Par contre, personne touche ma place ici. Venez voir, j'ai vu un truc d'ouf. Roya, je vais appeler un cirerie, tu vas voir ta place. Attendez, venez voir. Je vais appeler un cirerie cax. Il y a de l'eau des murs ici, venez voir. Bah ouais, mais ça, c'est de l'eau des murs. Prends ta douche, ça fait longtemps, rien, c'est gratuit. Prends ta douche. Mais regarde, regarde, mais t'as pas frotte, fait. Frotte, bien. T'as regarde, pas fait de l'eau regarde. Des murs de ouf ici. Mais si, mais j'avais déjà vu la vidéo avec Ayoub, il l'avait fait avec Enara. À Saint-Valentin, c'est un an, je me rappelle. J'ai 1 million de vues, je me rappelle. Viens, on essaye, viens, on fait une miniature comme ça. Mettez-vous à poil. En face. Ouais, mais quand il y aura la meuf. Ah,
Parce que là, ça fait très ambiance rédirée au curieux, quoi. Oui, voilà. Ce qu'on peut faire, tant bien ça. Nous, on jouera les majordomes, oui. on va les servir, et lui, comme ça, on le met bien, tu vois, on ramène les petits fours et tout, on s'habille classe. Avec qui ça bah, avec la meuf, frère. Ouais, je suis un petit peu. Nous, on va s'habiller comme ça. Quand il y aura la meuf, évidemment, on va les servir et tout. Mets-toi classe. Ouais, là, c'est je mets classe. Ouais, là, c'est pas mal. Les pantalons disco red. Ouais, ouais. Et le haut change un peu. Parfait, parfait. Ouais. Parfait. regarde la sortie. J'ai vu. Parfait. Ouais, parfait. J'ai maigri. Ok. Attends. T'es devenu aigri, ouais. Elle est là, ouais, c'est elle. Vas-y, c'est elle. T'attends. Viens, Tobias, viens. Monte devant. Bonsoir, messieurs. Ouais, elle est majordome, c'est vrai. Moi, je suis garde du corps. Mais elle est pas du tout. Elle est affreusement moche. Ouais, très bien. On y va ? Elle a un style afro. Allez, on y va. Elle est affreuse américaine. Je t'ouvre la porte, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Pour ça, je me présente, merci. Garde du corps de Hamid, avec mon collègue majordome, monsieur Khanez. D'accord, bah c'est long, peut-être pour autant de préparation quand même. C'est ça, c'est fameux date. Bon, comment ça va, Tony ? Ça va et toi ? Mais Tony, c'est vraiment ton vrai prénom ? C'est mon vrai prénom. Mais bon c'est date, qui a décidé ? C'est ton père ou c'est ta mère ? C'est les deux. Mais Tony, c'est. T'as toujours été une femme ? Ouais, mais t'es au courant que c'est. Chef Hamid ? Oui. Du coup, où est-ce que nous nous dirigeons ? Direction le casino, si c'est possible, bien évidemment. Bien sûr, avec le plus grand des plaisirs, évidemment. Merci, monsieur Khanez. Je vous en prie, monsieur Hamid. Ouais, carrément. Et du coup, ouais, du coup, et c'est quoi ton deuxième prénom ? C'est Tony. Madame Tony, il y a des individus qui vont suivre. Ouais, allez-vous changer, dépêchez-vous. Allez-vous changer, madame. On est suivi. On vous couvre, on est suivi. J'ai pas d'argent sur moi. Vite, on est suivi, dépêchez-vous. Dépêche. T'as des problèmes avec qui, Tony ? Viens, me tourner, mais dans la sauce, on fait armes, on est suivi, on fait des sauts et tout. Il y a un programme qui est prévu. Bon, rentre. On va rouler leur rendez-vous. On va leur flinguer leur rendez-vous. Moi, garde du corps. T'es que you crazy. Le problème, c'est qu'elle a pas d'argent. Mais donne-lui, wesh. J'ai pas d'argent. Yeah. Mais maître Hamid, c'est vous qui m'avez confié votre portefeuille, Tony. Putain, je me disais bien, c'est ben bizarre, oui, je savais plus où était mon argent. Il est tellement lourd. Tony, je vous donne un petit peu, parce que je sais que monsieur, vous avez quand même dépensé 100 000 dollars hier soir, monsieur, faites attention. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Fais-toi belle, voilà. Mais pas de robe, hein. Allez, il fait chaud aujourd'hui, il fait très très chaud. Hein. Il fait très chaud, viens. Regarde, je lui ai passé 1000 dollars, si elle s'habille pas comme une pute, regarde, elle me rembourse. Hein. Bon alors là. T'as très bien compris le principe de « il fait chaud ». Ça fait ouh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Rien, par contre la démarche. Je te tiens la porte. Allez. Ouh, dja. Allez. Garde du corps, ne bougez pas, j'ouvre la porte. Allez. Si je peux me permettre, Madame Tony. Oui. Vous pouvez enlever votre bonnet, vous inquiétez pas, il fait 45 degrés aujourd'hui. Bah, je pensais qu'il faisait 25, mais au final 45. Ah non, ça dépend. 45 Fahrenheit, ça 25 degrés Celsius. Ah, voilà, exactement. My bad. Bon. C'est comment le travail, Tony ? Bah là, ça va, j'étais promis, donc tranquille. Ah, promis quoi ? Bah employé. Ouais. Certain ! Mais par contre, qui t'en veut, Tony ? Parce qu'on était recherché. Excusez-nous, comme on est suivi, on va juste faire un petit détour, on va pas aller au casino. On va pas directement. Vu qu'il fait chaud, on va acheter un petit peu à boire vite fait et puis on ira. Vous inquiétez pas, mon équipe, collègue. On est suivi parce que vraiment, y'a personne derrière. On est suivi, vous inquiétez pas, je suis garde du corps de père en fils. On est clairement suivi. Qu'est-ce qu'il fait une voiture ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il retire, croyez. Non, il a une arme. Viens. Bougez pas, monsieur Hamid, on sécurise la zone. Ok. Get down, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, vous m'avez fait peur. Oh, vous m'avez fait peur. Je vais te dire c'est la banque. C'est malin de quoi. Get down. Putain, en fait, on a vu des individus armés, on voulait les sécuriser. Ouais, on s'est dit qu'il y avait un il y a deux secondes, c'est pour ça, on vient voir s'il y a personne dans le vidéo. Franchement, j'ai gravement eu peur. Chinois de la caille. Chinois de la caille. T'es bon, t'es bon. Ça va et vous ? Ouais, super. Bon, bah écoutez, bonne journée à vous et bon courage, faites attention. J'ai pas fini. Allô, écoute-moi dans l'oreille, je suis gentil, mais Narchetana. Allez, bon courage. C'est bon, on a sécurisé. C'est bon. D'accord, c'est parfait, merci. Vous êtes à couvert. Allez-y, collègue, 7-Up Hawaii et pour madame ? Ah, oh, bah je sais pas, peu importe. Ok, prends du peu importe. Prends du litres de peu importe. 2 litres de peu importe. J'arrive, maître Hamid. Braque-lui sa mère. Ouais, je le braque sa mère de ouf. Je sors même pas d'arme, pas besoin, parce qu'il est tellement la peur. Et il a peur là ? Mais là, il a peur là. Oh, nickel. Ouais, je vais t'arracher tes yeux, ouais. Oh, pas ça. Le pélican fait toc-toc sur la vitre. On ira voir Ice, c'est bon ? Le pélican fait toc-toc sur la vitre. T'es sweet. Ok, très bien. Attendez, 5 secondes, pousse. Vraiment, 5 secondes. Dépêche-toi, Royas. Rendez-vous, bah non, on fait nos courses là, parce qu'on a un petit date, c'est pour ça. Qu'est-ce qui se passe ?
5 secondes de plus. Sur le bas-côté, par favor. Oui, bah oui, on est sur le bas-côté, on va se mettre sur... Attendez, je recule. Hop, mais comme ça. S'il faut... On va pas se mettre sur le côté, cassez-vous. Oh, vous inquiétez pas, il nous agresse. Voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, c'est normal, c'est normal. On va aller au casino, ouais. Et c'est parti le casino. J'ai loué le casino pour nous, Tony. Pour la soirée, ouais. Pour la soirée. Ouais, carrément. On a mis des gardes là-bas pour sécuriser la zone. Évidemment. Pourquoi il y a la police derrière nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Tony, t'as quelque chose à te reprocher? Ah, il nous escorte, d'accord. Ah, c'est des bons. C'est des bons. Franchement, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, garde du corps Tobias. Très bien. Après, c'est surtout Mathieu qui gère la conduite. Non, mais c'est toi quand même qui leur a dit de venir parce qu'on était suivis, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Tu fais le travail, t'es complémentaire. T'es comme une mutuelle quoi, t'es complémentaire. On se complète, ouais, exactement. Oh. Top de car, now. Bah non, on va pas s'arrêter. Attends, qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai pas compris là. Je comprends pas, je comprends pas. Tu peux discuter avec eux, s'il te plaît? Vous voulez quoi là, monsieur là? Oh, ça, vous voulez quoi? Et pour... Je veux taire, vous la posez immédiatement au sol, monsieur. Tu vas faire quoi sinon? T'inquiète pas, Tony. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça arrive, c'est normal. Oui. Et ça passe. Non, c'est pas. Oui, tout à fait, ouais. Moi, je suis malade, ouais. J'ai un peu mal à la gorge en ce moment et j'ai un petit rhume. Tu voulais pas un peu de piment dans ta vie, Tony? Ouais, mais là, je vais pas une marque. Bah là, c'est de la harissa, là, pour le coup. Là, c'est plus du piment. Hein. Ouais, c'est quoi tes origines, Tony? Bah, je sais pas. Alors, 4-4, comment il bombarde? Et voilà, c'est pour. Moi, ce mec, j'adore le risque, venant se suicider. C'est plus du risque, là, regarde. T'es sûr que c'est toujours une escorte? Là, oui, t'inquiète. Clairement, mais je veux. Pourquoi tu doutes? Ils sont quand même. Oula, ils sont quand même deux voitures quoi. Oui, bah c'est une escorte double. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'essayer de les fuir. Hein. Vraiment. Non, tranquille, c'est rien. Ouh, oui! Ouh là, Chiche! Oh. Je prends n'importe quoi, je crois. Oh! Oh, le cul de sac! Non, même pas! Oh, incroyable! Il adore le risque. Oh, et j'aime les gens qui adorent le risque. Réveille-toi. Pané pour te plaire. Oh, tchin, réveille-toi. Tchin, tchin, tchin. Regarde la voiture qui patine. Easy, hein. T'as pas perdu la marche, Anaise, hein. Ça fait longtemps que je peux conduire, ouais. On attend quoi, là? Vous inquiétez pas, en fait. Non, parce que l'escorte, là, il était sur une autre intervention, donc on attend qu'il finisse. Comme c'est une activité du date, en fait, si vous inquiétez pas. Allez, on est arrivé, messieurs, dames. Parfait. Check les angles morts, les angles morts. Tu vas où, Tony? Les angles morts. Non, c'est vrai. Allez, viens, Tony. Mets-toi devant, moi, je serre les fesses. Vas-y. Allez, Tony. Mets-toi devant, toi. Je suis derrière. Allez, on monte à l'ascenseur. Je regarde s'il n'y a pas de sniper, Toi à couvert, mets-toi à couvert, on sait jamais. Ils ont pas encore su. Oh là là, Tony. Je vais checker si le vent est frais. Non, ça va, c'est la fougère, C'est la fougère. Là, on a une belle petite vue. Tu vois au loin? Ouais. Tu vois notre avenir, toi et moi? Je sais pas, on sait jamais. On reverra ça à la fin du date. Alors, écoutez, là où nous sommes dans la suite extérieure, donc il faut à la fois d'office, d'atrium, jardin et aussi suite canapé. Là-bas, si vous voulez vous reposer, vous détendre, vous avez un jacuzzi à température ambiante qui fait des petites bulles. Voilà, je vous laisse vous approcher si vous voulez tester. Allez, on va tester. Nous avons aussi des œufs mayonnaise. Voilà, donc ça s'appelle comme ça, vous vous mettez dessus tranquillement et en fait ça a l'effet apaisant quoi. Nous avons des spécialistes pour la crème solaire. Bougez pas, j'arrive, je vous ramène une spécialiste. Ah, merci beaucoup. Tobias, mets-toi en masseuse crème solaire, s'il te plaît, c'est pour la meuf. Vas-y, masseuse crème solaire. Vas-y, hop là. Voilà, nickel, range-la, voilà, parfait. Nous avons à disposition une masseuse. Elle a travaillé vraiment dans les plus grands cabarets de Thaïlande. Elle connaît toutes les techniques de massage. Je parle pas le anglais. But you can venir avec moi pour you masser. Allez-y, venez, madame. Vas-y, Tony. Je vais faire la technique de massage. Elle marche comme un bonhomme, regarde. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, elle connaît la Thaïlande. Il y a une piscine là-bas, je sais même pas où la piscine vient. Est-ce que je vais réussir? Oh, j'ai réussi. Oh. Putain, c'est une piscine à bord infini. C'est trop stylé là-bas. Mais grave. Tobias, pourquoi tu l'as soulevé? Arrête, qu'est-ce qui se passe? Elle est malade, il veut me jeter.
Non, bête. En fait, il veut vous craquer le dos. Non, c'est une technique. Madame, venez, c'est pour détendre les nerfs. Venez, like. Faites confiance, vous inquiétez pas. Mathieu, faites confiance, like. Eh, mais craque-moi le dos, papa. Madame, regardez le fait. Mathieu, tous les jours. Non, c'est vrai, ça, il le sait. Même avec moi, il le fait. T'inquiète. Faites confiance. Levez les mains. Attendez. Non, mais monsieur, vraiment. Ouais, ouais, par contre, les talons, c'est. Tu peux, allez, madame, que, y a regardez. Y'a moins que tu glisses, hein. Y'a moins. Attends, mais attendez, je t'enlève. Alors, over here. Mon date. Elle est tombée. Bon, bah. On pourra en aller, hein. Bah, tu sautes. Vas-y. Vas-y, saute, saute, saute. Toi d'abord. Eh, mais moi, wallah, je sens rien. C'est grave bizarre. Eh, mais moi, je sens rien, les mecs. Je crois que j'ai des super pouvoirs. Alors, ça, c'est D-Date, hein. Alors là, mon pote. Eh, Tony, ça va? Oh, t'as fait un petit saut. Incroyable. Ouais, c'est la première fois que je vois une crêpe avec des talons. Bonsoir monsieur, merci d'être venu, ça me fait plaisir. Et vous, comment allez-vous? Bah moi ça va, mais en fait j'assiste à la scène depuis en bas. Je les ai vus tomber, en fait ils ont glissé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en haut. Mais vous savez, mon ami il était un peu suicidaire, hein. Surtout le noir là, il avait des problèmes d'argent. Lequel le noir, avec son caleçon blanc? Oui, le noir avec le caleçon blanc, il avait des problèmes d'argent, des problèmes d'érection, c'est une dinguerie quoi. Ah oui. Ouais, le seul date qu'il a eu c'était avec sa mère à ce qui paraît. Vous m'entendez monsieur? Sophie, ça va? Bonjour. Salut. Y a mon ami Tobias là, on va s'occuper de vous. Bonjour monsieur. Ouais, bah ouais, je vous avais dit qu'on allait se recroiser ce soir. Je vais aller voir. Ah oui, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends, monsieur. Ouais. Vous les emmenez à l'hôpital, c'est ça? Effectivement, oui. D'accord, ça marche. Bah écoutez, je vais vous suivre et puis je les attendrai dans la salle d'attente. Alors là, vous voulez la guerre? Vous allez la voir, cette putain de guerre. Tyranny. Des survivistes, Roya. Là, ils ont réveillé la bête, Roya. Je te le dis direct. Des balles de sniper, Roya. Maintenant, faut que je voie où leur quartier. Je vais tirer sur leur moto. Ok. Nickel. J'arrive solo et tout. Bonsoir messieurs, désolé pour le retard. Bonsoir, monsieur. Ça va, vous allez bien? Ça va, et vous? Oui, ça va. Bah, je suis désolé, Hamid et Tobias, ils peuvent pas venir, ils sont à l'hôpital. Ah, ok. Bah, ils étaient au casino, ils sont tombés tout là-haut, sombre histoire de date. Ah, ils étaient en date tous les deux? Non, malheureusement non, ils étaient en date avec une certaine, Tony. Oui, c'est une femme, Tony. Tony? Ouais, c'est une meuf qui travaille au Burger Shot, je sais pas. C'est souvent qu'ils finissent à l'hôpital. Oui. Bah hein? si c'est pas à l'hôpital, généralement c'est le commissariat quoi, ça dépend. Bah messieurs, merci d'être venus en tout cas. Bah merci à vous d'être venus surtout. Ouais, ça fait grave plaisir. Parce qu'en ce moment, je sais pas si vous avez vu, ils ont saccagé mon Burger Shot là. Ah c'est vous le patron du burger? Ouais, c'est moi, ouais. Ils ont bousillé mon restaurant, les bâtards, on a fermé pendant 24 heures. Mon chiffre d'affaires, il a fait comme ça. Pfiou! Je t'ai dégoûté, ah, Roya. Ah ouais. Et le pire, c'est que je sais qui a fait ça. Hein. Qui c'est? Ouais, c'est des Japonais avec des motos rouges, Anuki ou la Nanuki ou je sais pas quoi. Ouais, je vois lesquels c'est. Okay. Ouais, je suis parti les voir. Mais je suis parti les voir et tout. Ils m'ont dit non, c'est pas eux. Pourtant, toutes les preuves c'est là-bas. Bon, mais c'est pas grave, ouais, j'ai. Bah, moi, je suis toujours en attente. Avec eux après. Oh non. Il faut calmer les tensions alors, parce que. Peut-être pas fait ça pour rien, si je puis me permettre. Bah justement, le premier rencontre que j'ai avec eux, je leur ai vendu des burgers. Et le lendemain, ils ont saccagé à mon restaurant. Enfin, je comprends pas, c'est pour ça que je veux discuter avec eux. Ah ouais, après, bon, je vais pas vous demander la recette de votre burger, mais il y a peut-être un ingrédient qui leur a pas plu, je sais pas. Bah pourtant, j'ai mis ce qu'ils aiment, le poisson, et ils aiment tout, quoi. Donc moi, peut-être parce qu'il y a pas de maquis ou de California Rolls, c'est peut-être pour ça qu'ils ont saccagé le restaurant, je sais pas. Mais je vais essayer de comprendre pourquoi, et... Puis sinon, bah, ils vont passer à la casserole et puis c'est tout, hein, qu'est-ce que je te dise. Ok. Bon, après, si vous vous sentez capable... Hein. Bah non, pas du tout. Mais bon, il faut avoir des rêves, hein, c'est important. Oh, il faut avoir des objectifs ambitieux, c'est clair. Ça. Voilà. Et justement, bah, en parlant de ça, c'est pour ça que bah, je vous ai contacté, parce qu'on m'a dit que vous étiez des gens sérieux, via le contact de Hamid, quoi, c'est mon ami. Il m'a dit comme quoi il avait déjà fait affaire avec vous étiez des mecs corrects, et qu'il n'y avait pas de problème sur la marchandise. Donc, vu que moi, mon restaurant, il s'est fait saccager, et j'ai envie de m'équiper. Alors, moi, j'ai un petit joujou, pour le moment, c'est ça.
Bon, c'est un petit Glock, c'est de la merde, tu vois. Ouais, moi, j'aime bien des trucs qui font un peu plus peur. Parce que la dernière fois que je suis venu leur parler, ils ont sorti les battes de baseball direct. Alors que je leur ai dit juste bonjour. Alors imagine si je commence à les embrouiller, ce qu'ils vont me sortir. Ah ouais, ouais, donc je comprends pourquoi il vous faut quelque chose de plus gros. Ouais, c'est ça, ouais, plus impressionnant, quoi. Ok, ça marche. Du coup, t'as une idée de ce qui t'intéresserait. Comme tu l'as dit, moi, je te connaissais pas personnellement. Je me suis renseigné un peu auprès de du H, hein. Ouais, et avec lui, voilà. Et il m'a dit beaucoup de bien sur toi, donc je lui fais confiance, ça s'est toujours bien passé, donc pas de raison. La vérité, moi, il me faudrait, je dirais, 2-3 fusils d'assaut. Après, j'ai pas de modèle préféré ou de marque préférée, quoi. Ça dépend ce que vous pouvez m'avoir, quoi. Ok, donc tu veux taper directement dans les fusils d'assaut, d'accord. Ouais, ouais. Bah, en fait, on en avait, hein. Enfin, on en a toujours un petit peu. Mais en fait, à chaque fois, bah, voilà, à chaque fois, ils finissent à l'hôpital. Ou bien en prison. Ah bah oui, bah dans ce cas-là, à un moment donné, il n'y a plus rien dans les stocks, quoi. À chaque fois, ils se font saisir leurs armes, c'est con. Donc, bah, il faut remplir un petit peu tout ça, quoi. Donc, fusil d'assaut, on commence avec les tarifs, bien évidemment. Oui. Avec la KU à 105 000, AK-47 à 185 000, AK-47 MK2 à 187 000, et la Geisenberg à 255 000. Oh la vache, la Geisenberg, celle de Al Capone, non? C'est ça. C'est ça. La Thompson. Putain de merde. Ah ouais, ça. Elle est incroyable. Hein. Ouais, ouais, on m'a dit elle est précise et tout. Hein. Il y a autre chose, si tu veux de l'exceptionnel, on peut peut-être avoir ça, du type TAR-21, Colt Anaconda, il me semble. Ouais. Oh la vache! Sachant, il n'y a que. Un très peu exemplaire. Ouais, c'est que en édition deux. Limitée, quoi. Exactement. Et il faut que je vois s'ils sont toujours disponibles. Okay. Mais ça peut être. Okay. Possible. Mais est-ce que vous vendez aussi du matériel pour se protéger? Gilet pare-balles? Gilet, bien ouais, sûr. Ouais, voilà ça, ouais. Je suppose que tu veux les lourds directement et pas les T1, T2, hein. Ouais, les lourds, ouais, les lourds, direct. Et les T3, c'est 6 000. D'accord, ok. Bah là, comme ça, je vous prendrai bien 4 gilets pare-balles, du coup les lourds, et 3 AK, si possible, bien les sûr. Dernières. Okay. Les dernières, MK2, ouais. Et la dernière, là, tu m'as dit Geisenberg. Ouais, Geisenberg. Ouais. Et si possible, hein. Ça, c'est le pompon sur la Garonne si vous arrivez à m'avoir l'édition limitée du Colt, là. Vous partez en guerre, là, clairement. Je plains ceux qui ont attaqué votre burger. Ouais. Ouais, bah disons, en fait, bon, je fais affaire, mais j'aime bien aussi m'étaler un petit peu vite fait sur ma vie personnelle. Ce restaurant-là, c'est le seul souvenir que j'ai de mon oncle, Pablito Janez, qui est mort tué par la police. Alors, je veux dire, si on touche à mon restaurant, on touche à ma famille. Forcément, si on touche à ma famille... On touche à moi, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Donc forcément, oui. Vous avez touché un point sensible, monsieur Canez. Les Speedy, je pense que vous avez des griefs contre les Speedy également. Ça me dégoûte. Chaque fois que j'en parle, j'ai un goût amer dans la bouche. Éventuellement, si on a besoin de... Je vais pas dire de vos services, mais de votre participation à certains événements qui peuvent... concerner le LSPD, est-ce que vous seriez partant? C'est-à-dire, par exemple, les insulter, des trucs comme ça? Bien plus que ça. Je vois plus des kidnappings ou... Oh, ben oui. Interrogatoire. Ah, ouais. Ben oui, j'ai envie de savoir. Poussée. J'ai envie de savoir c'est qui a tué mon oncle. Ça vous intéresserait? Ouais, oui, ça m'intéresse. Ouais. D'accord, très bien. Je garde ça dans le coin de ma tête. Ouais. Ça risque d'arriver dans quelques temps. On va aller récupérer votre marchandise. D'accord. Ben écoutez, à tout à l'heure et ben merci pour votre temps en tout cas, messieurs. Pas de merci à vous. Pas de soucis. À tout à l'heure. Je serai sûrement avec Hamid et Tobias. Hein. Non, parce que pour porter, j'ai pas trop de force en ce moment, j'ai arrêté la musculation. Tout à l'heure. Ok. Tout à l'heure. Big up. Tout à l'heure. Big up. Ouais, les frères. Ouais, ça va? Ouais, j'irai au Burger Shot dans une demi-heure. On a rendez-vous avec la BMF pour aller pour une grosse transaction. Ok. Là, je me suis mis d'accord. Là, j'ai passé commande en fait, tu vois, donc c'était pas important. Mais là, après, on va arriver pour la livraison. Donc, les frères. Oui. Vous avez pas 840 000 dollars à me dépanner? Si, j'ai. Les frères. Ah, bah, c'est bon alors, nickel. Bah, on se capte au Burger Shot. Je suis au Burger Shot, les mecs. T'es au Burger Shot, oui? Moi aussi. Il fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, rentre, Mathieu. Ouais, je vais te virer. Non, mais regarde, rentre. Laisse-moi tranquille avec tes plans bizarres, là. Ouais, désolé, monsieur, pour la gêne occasionnée. Hein. C'est pas grave, mais j'apprécierais beaucoup que le monsieur conducteur dise pardon. Bah oui, il s'est passé quoi? Il vous a fait quoi? Il a failli écraser Sergueï et casser motocyclette. C'est qui, Sergueï? Excusez-nous pour les occasionnés, monsieur. Ouais, parce que t'as failli l'écraser, le pauvre. Oui, je suis désolé. On est désolé. Ah, grave. Monsieur. J'apprécie beaucoup gentillesse que vous faites après pour dire pardon. Attends, excuse-moi. Ouais, non, désolé. Alors, Sergueï, vous voulez manger, monsieur?
Oui, mon petit Bray. Da, j'aimerais bien manger. Venez, alors, venez, on vous invite. Amar Hababekoum, in the hood. Vous pouvez régler avec contact téléphone, s'il vous plaît. Non, c'est gratuit, monsieur, c'est gratuit, allez-y, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir, c'est moi qui régale. Non, je ne peux pas accepter. Vous travaillez, tout travail mérite salaire. Non, mais je suis PDG, je suis plein de thunes, je m'en bats les steaks. Alors, dans ce cas-là, je vous propose autre chose. Vous avez 5 minutes. Oui. Trouvez-moi guitare, je sais, vous avez des guitares cachées dans les vestiaires. Ouais, chanson. Ramène la guitare dans mon vestiaire, dans mon bureau, regarde. Dans ton vestiaire, vas-y. Je fais chanson pour vous pour remercier. Voilà la guitare. Vas-y, donne au monsieur la guitare. Il va faire une musique. Ah bon? Oui, tenez, monsieur, la guitare. Merci bien. Alors, voyons voir. Ah, attendez, il va falloir que je l'accorde un peu. Vas-y. Et un soubaka. Charlie, get down, good lord. Baby, get up and out of the town. Tricky bitch, you don't play your rank for much ground. God damn by the ground. Got a pen and a foot in each and every day to play your way. I can't get out of my mind. Wow, think about the girl all the time. Not the way walking. No diggity, I gotta bag it up. No lie the way you walking. No diggity, gotta bag it up. Woo! Cool. Lie the way you walking. No diggity, gotta bag it up. Diggity, lie the way you walking. No diggity, yeah. Diggity, diggity. Hey. Stock gaz, des nasses gaz, sur des bases nages, joue les parcs comme elle flippe. Quand y'a des buts à gaz, un boom dans la rue, bisoum dans la secteur, comme après la boom. Le box office, elle donne un hacho. Je veux voir comment elle est trop chaud. Depuis quelques mois, il faut que ça ne lâche chaud. Prêche puis classe, que les dépêches de la sauce tasse. De mèche avec la masse, si je paye, je bois la tasse. Depuis l'idée des séduits, des séduits, ça dit, ça dit, d'arôme. L'homme, c'est nos femmes, mais pas de mon critérium. Le monde est plein de malades contre ces salades. Un plateau, un peu du portable pour se balader. Bon appel à terre, bon appel à Jean-Paul, mais Jean-Paul et le pape, papa, à Paris, le parabole. J'ai dans ce que tu dis, style au micro. Le divin, comme cela, condamné là. T'as mis quoi dans l'hamburger royal? J'ai mis de la oraine. Burger shot. Je me suis laissé embarquer sans rémission, à tâtonner la vérité, leurs émissions, à constater la régression de mentalité sous la pression que le monde de mettre en prison pour finir en aliénation. Ils disaient avertissent, devaient rester vigilants que la couleur, les origines, la religion, l'aspect des gens. Suivez quoi qu'il arrive pour connaître leurs agissements, c'est sur la toile sans ménagement que le voile les débordements. Les amalgames cristelles, les envahisseurs, critiques, terreurs, médiatisation de la peur. Ils traquent, ils flippent, ils maintiennent nos œillères, servent les stéréotypes que l'on se méfie de nos pères. Préfèrent rester crédules, ils oublient que les précarpes sont souvent les gens qu'ils adultent de surcroît, les manipulent. Le costard et la cravate, la bonne parole, le tac, autour de toi, sur les petites frappes, ce qui passe à la trappe. Alors là, mon pote. Oh, c'est pas si bas. C'était pour remercier vous d'avoir offert. Heureusement que je t'ai pas fait payer, Roya. Banger. Par contre, rends-moi la guitare, s'il te plaît. On aurait raté ça. Je te donne une guitare. Merci. Voilà. Mais incroyable, hein. T'as du talent, toi. Oh, c'est très gentil. T'as pas de cheveux, mais t'as un charisme, mon pote, incroyable. Bon. Monsieur, on est désolé, on va devoir y aller là, le devoir nous appelle. Voilà. Mais en tout cas, vous repassez quand vous voulez ici, d'accord? Je passe si bon encore. Merci pour générosité, Burger Menu. Je vais me régaler, grâce à vous. Merci à vous. Tu peux pas monter derrière, je te dépose. Non, Roya, monte avec nous, Roya. Monsieur, c'est un petit kiff. Allez. Ah, il veut vraiment pas. Roya, on va aller voir le japonais, viens avec nous, on s'en bat les couilles de ça. Vas-y. Je vais aller me faire foutre. Bon, allez. Vas-y. Mais toi, je te dis, on a un rendez-vous. Tu me dis, attends, je pars quelques rentrées, wesh. Vas-y, t'inquiète. Parce que surtout que dans 15 minutes, il m'a dit, il sera pas là. Donc, Vas-y. Et BMF, on a rendez-vous que dans une demi-heure pour récupérer toute la marchandise. Donc là, en fait, on va pas chercher la merde, d'accord? On est calibré et tout, mais on s'en fout, on va discuter. On va voir où ça va midi, d'accord? Et s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Ok, et du coup, t'as besoin d'argent? Oui, ça, c'est pour après, pour BMF. Hein. Ouais, ok, vas-y. Je t'enverrai, je crois que c'est 1 million, un truc comme ça, finalement. C'est pas 800? Je crois qu'ils ont augmenté. Ah non, mais je te dirai pourquoi, t'inquiète. Okay. J'ai pris des armes édition limitée et tout. Assurance, armes volées. Vous voyez le parking à droite là?
Ouais. Bah en fait, j'ai un jambé ici, au-dessus du café, et ça donne directement sur leur quartier. J'ai dégommé toute leur moto, regarde. Y'a quoi, y'a un mode au-dessus du café? Ah. Et là, y'a un Beans Café, là. Ah, ok. Ah oui. Ils sont là. Théon. Théon. On s'en va, y'a personne qui passe. Bonsoir. Comme in the hood. Mushi. Ohayo gozaimasu. Vous êtes qui, ouais? Mushi. On se dépasse à la bigop. On a rendez-vous avec lui. Avec Akuma, je crois. Akuma. Uluna. Je suis devant toi. Ah oui, ça va Akuma? Par contre, je reste un peu loin parce que la cigarette, j'aime pas trop ça. Ouais, ça va bien. Bah, aujourd'hui un peu mieux qu'hier et avant-hier surtout. Parce qu'il y a 2-3 jours, en fait, mon restaurant, il s'est fait saccager. Ouais. Et apparemment, on aurait... c'est à toi de me dire ça, parce qu'apparemment, il y a un Tega, là, Yumi, je sais pas quoi, il était dans le Burger Shot. Et d'après quelques informations solides que j'ai eues, c'était bien vous, quoi. En tout cas, une partie d'entre vous, quoi, qui ont fait ça. Alors, Yumi, t'es là? Moi, je vais aller droit au but, hein. Pourquoi? Dans quel but? Alech? Des explications, quoi. Ça s'est passé quand? Parce que moi j'ai pas le souvenir d'avoir saccagé ça. Samedi, quoi, à peu près. Ouais, samedi. Yakama, il y a 4 jours, ils étaient pas là. Yorosei. C'était moi. Yorosei. Ah, c'était toi. Et il s'est passé quoi? Je sais pas, c'est qui? Tu te présentes, Kenshin. Il s'est passé quoi? Moi, ça me balance. Ah, tout simplement des clients. Je réponds aux missions. C'est-à-dire? En bref, je vais parler à sa place. Si je comprends bien, mes Nakama, ils ont saccagé ton Burger Shot. Bah oui, moi je comprends pas. J'étais venu vendre en plus mes Burger Shot ici tranquillement. Et le lendemain, vous saccagez mon restaurant. C'est pour ça que je suis tombé des nues, quoi. J'étais présent. Maintenant, je vais te dire un truc. Pour quelle raison, nous, un simple gang ici installé à Little Tokyo, viendrait saccager ton restaurant? Bah c'est exactement la question que je te pose en fait, je veux avoir des réponses. J'ai envie que tu réfléchisses un peu, tu vois. Personnellement, on a des raisons de le faire? Réfléchis. Justement, non, c'est pour ça que je veux avoir des réponses. D'accord. Personnellement, on n'avait pas de raison plutôt de le faire, tu vois. Mais on va dire qu'on a dû le faire. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la concurrence en ville, tu sais. Et que d'autres restaurants n'apprécient pas la concurrence, tu comprends? Ouais, je comprends, ouais. En gros, vous faites le sale travail, quoi. Écoute, j'ai pas plus besoin de dire, mais sache que tu n'es pas le seul restaurant en ville à bien fonctionner et la concurrence des fois. Et vous en payez combien? Écoute, je vais pas te dire qui nous a employés, mais je peux te dire qu'on nous a donné un petit 20 000, tu sais. Ah ouais. $20,000 moi, pour ça saccager. Va me faire, moi. Mathieu Hanez, le roi de la ville, ça veut me faire comme ça. Et Croisama, moi je suis une CRPR. Et Croisama, mon restaurant, moi je suis une pite. Je vais pas te mentir, on sait même pas qui t'étais, on sait même pas qui était le patron du restaurant. Bah vous auriez dû vous renseigner les mecs. Parce que si on vous paye $20,000 pour taper des battes de baseball sur une table, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que je suis important en ville les mecs. Faut réfléchir aussi. Peut-être. Mais écoute, le plus offrant était eux, donc voilà. Et bref, moi je chauffe, moi dans ma tête. Tu touches mon retour de ma tête. Tobias, c'est de ouf. Couché. Comment ça couche? C'est des ouf! T'es agressif, Roya. Il touche le restaurant de Matisse! Parce qu'on l'appelle Pédé! On l'appelle Pédé! C'est des ouf! Ah, mais vu comment il est habillé, il me fait un peu peur. On dirait qu'il va des soirées bizarres lui. Hein. Non, vous inquiétez pas. Mais, okay. Comment? Est-ce que. Bah, les gars, ça va être simple. Parce que ma cible, ça va soit être vous. Et vu que vous êtes déjà rouge sang, je crois qu'on va continuer dans cette lancée. Ou soit vous me balancez les mecs qui vous ont payé. Parce que moi, ça va pas rester impuni, les mecs. On est d'accord. Parce que c'est comme si moi, on vient, on me paye, on me dit, tu sais, moi j'ai une concession de moto ou je sais pas quoi, et moi j'ai de la concurrence, va déglinguer les rouges, et si vous savez que c'est moi, vous allez venir me casser les couilles, on est d'accord, vous allez me péter la gueule, c'est normal, parce que normal. Vos motos c'est comme vos femmes, c'est comme la famille, alors mon restaurant c'est comme la famille. Donc voilà, c'est soit vous me donnez le nom des personnes qui ont commandé et tout ça, ou ça va partir en couille. Ok, bah écoute, si t'as de l'argent à mettre sur la table, on peut négocier. Attends. Quoi, t'as mal compris? Je crois que t'as mal compris, Roya. T'as vraiment mal parce compris? Parce que là, on veut truc, tu sais, des problèmes. Tu sais combien? Parce que bon, il y a l'assurance, etc. Mais il y a des trucs qui sont pas pris en compte par l'assurance, d'accord? Est-ce que c'est mon problème? J'ai perdu de l'argent, hein, parce qu'on a dû fermer. Et en plus, toi, tu me réclames de l'argent pour trouver les mecs? Non, ça se passe pas. Qui t'a dit que c'était de l'argent que je parlais? Tu m'as dit faut mettre le double. Non, on s'est demandé que si tu as quelque chose à mettre sur la table. Après, peut-être autre chose de l'argent peut nous intéresser, tu sais. Tu as quelque chose d'intéressant à nous proposer? La vie, c'est pas mal. Une belle vie tranquille, sans répercussions. Franchement, c'est pas mal. C'est des menaces là que t'es en train de nous faire. D'après moi, du tout. C'est une proposition. D'accord. C'est une proposition.
ta proposition n'est pas intéressante pour le moment. Ok, donc propose-moi quelque chose. Je sais pas. Quelque chose qui pourrait nous apporter de l'argent, quelque chose qui pourrait avoir des armes. Ok, ok, j'ai une idée. Ok. Je t'écoute. Les mecs là qui vous ont commandité cette petite mission là, j'imagine qu'ils tiennent un restaurant. Alors, c'est pas des mecs qui vendent des champignons. T'es pas si bête que ça finalement. Non, ça va, regarde, j'ai fait bac plus 2 ou 3, je me rappelle plus. Moins 2. Je vous propose le double de la somme que vous ont proposé pour saccager leur restaurant plus leur véhicule. C'est tout? Ah bah c'est déjà pas c'est mal. C'est tout. Oh, c'est okay. Déjà pas mal. Ok, t'es prêt à mettre 40 000 alors? Exactement. Ok, écoute, voilà. Ça sera fait. Quand est-ce que tu verseras l'argent? Je peux vous verser la moitié maintenant et la moitié après. Avant mercredi, on aura fait le travail, d'accord? Ok, c'est bien, ça donne des missions en gang et tout, tu vois. Parce que pour la guerre, c'est un peu éclaté. Les gâteaux. Ouais, y a pas de gâteaux. Comment ça, les gâteaux? C'est que des billets, quoi. Les gâteaux. Ça veut dire merci, chez nous. Ok, ah ouais, Japon. Ça marche. Bah, tu me tiendras directement au courant et je veux des photos, hein. Y'a pas de problème, t'auras des photos de leur véhicule et du restaurant, d'accord? Eh, vous traînez qui ici à chaque fois? Tout Little Tokyo nous appartient, d'accord? Séoul. Little Tokyo qui est anciennement appelé Little Seoul. Oui. Et tu me feras ce plaisir, t'es sur mon territoire, donc tu diras Little Tokyo, d'accord? Little Seoul. Tokyo. Tu veux vraiment que... Non, Tokyo. Anciennement Séoul. Ouais, anciennement Séoul, t'as tout compris. Tokyo, ok, donc vas-y. Voilà. Tout Little Tokyo nous appartient, d'accord? Pas de soucis. C'est possible demain, tu auras les photos. Vas-y, ça marche. Comment on dit au revoir en japonais? Gâteau. Sayonara. Nara. D'accord. Matane. Salam alaikum. Bon courage. Salam alaikum, les gars. Ouais. Hey, Mathieu, faut les écraser, c'est des ouf, hein. Non, c'est des ouf. Attends, justement. Écoute. C'est pas eux les vrais méchants, Roya. T'as pas compris? C'est qui? En fait, eux, ils ont été missionnés par des mecs. Et les mecs là, à 100%, c'est les mecs du Christian Fix. Bah, c'est sûr. Je pense. La Kamasutra. Donc, eux, Roya, si on part en guerre avec des petits japonais, Roya. Mais tu crois que je m'amuse à tuer des moustiques, moi, Roya? Moi, je vais buter des putains d'éléphants, Roya. Voilà. Le guépard dans la savane, Roya. Tu crois que le guépard, il mange des moustiques, Roya? Non, il mange des tigres. T'es malade. En fait, le truc, c'est que c'est pas eux les cerveaux. Non, bah non, t'as vu, ils sont bêtes, Roya. Waouh. Eh, vous avez pas 1 million à me dépanner, là? Bon, Hamid, on met le QG. Eh, des petites boîtes, là, je crois que si on les tape, ça explose, hein. Des boîtes, ouais, ah oui, ouais, c'est ouais, là, ouais, clairement. C'est là, non, ici, là, non. Vas-y, Roya, vas-y, bismillah. 1, 2, 3, Tony Tria, à l'attaque de la 20. Boum. Oh, t'esquive. Plouf. Oups. Oh, merde. Waouh. Ok. Waouh. Vas-y, monte derrière, on était garde du corps. Oh, c'est bon, il a envoyé la pause. Oh, c'est parfait. Vas-y, on dépose. Hop, habillez-vous classe, les mecs, habillez-vous classe. T'es sûr? Ouais, classe. Ouais, rien, BMF. Ça flingue, il y a un guetteur et tout. Ouais, c'est nous. Vas-y, venez. Vous sortez, quand là? Vous avez fait bon voyage? Ouais, bah ça va, on était juste à côté. C'est parfait. Bah, c'est carré. Vas-y, venez, suivez-nous. Ça marche, on vous suit. Nickel. Heureusement que je t'ai dit de t'habiller classe, toi. C'est classe en vrai, c'est un outfit. Oh, tu me fous la honte, putain. Rebonsoir, messieurs. Bonsoir. Tout se passe bien. Bonsoir. Ah, et vous? Je vais mettre le sushi, hein. Ça va, tranquillement. Amis et Tobias, vous allez bien? Ça va, et vous, messieurs? Bien, et vous? Bonne santé ou? Pour l'instant, ça va, alhamdoulilah. T'es très bien, et vous? C'est inquiétant? Non, c'est juste que j'ai entendu dire que vous étiez à l'hôpital, c'est pour ça. Ah oui, c'est réel. Oui, c'est vrai. C'est réel. Si ça va mieux. C'est gentil, ouais, ça va mieux. C'est gentil, merci de demander en tout cas. On a réuni la somme, voilà, comme convenu. Je vais vous laisser montrer la mallette à mon comparse sur ma gauche, s'il vous plaît. Bien sûr, avec le plus grand des plaisirs. Oh, c'est du lourd. Oh la vache. Prends-en soin. Donnez, chef. Ça, Mathieu, ça. C'est un one shot. Tiens. Avec ça, tu mets une balle, le type, et tu couches. Ah putain. J'en ai fait les frais une fois. Ça, c'est une heure quand même cadeau, non? Ouais, c'est ouais. Ça. Bah, merci en tout cas, messieurs. Merci à vous, au plaisir, messieurs, de refaire du business avec vous. Ouais. Vous savez où on est. Avec plaisir, avec plaisir. Pas de soucis, ouais. Bah, prenez soin de vous. Si jamais vos histoires, elles vont un peu trop loin, et... n'hésitez pas à nous en parler, on verra si on peut faire un geste. Ça marche. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Merci, les gars. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Prenez soin de vous, hein, bien évidemment. Big up, bye. Au revoir, messieurs. Ça flingue. T'es mal l'arme. Oh, avec un silencieux? Non, pas de silencieux. Oh, vas-y, tire. Tu sur moi? Roya, t'es sûr? Oh, ouais, bouge pas. Vas-y. Oh, ça va. Eh, c'est un menteur, ça. Ah, oui. Ah, il monte, hein.